a renversé Robertson. Très aisément. Ça devait venir. On aurait pu le dire depuis 30 secondes. Kordic courait après tout ce qui bougeait sur la glace. Il avait été envoyé dans la mêlée immédiatement après ce qu'on a fait à Neslund et je pense qu'il avait capté le message. Alors, il a tenté deux fois de s'en prendre à Malone. Malone, qui n'est pas un batailleur, se sauvait du mieux qu'il le pouvait. Et là, finalement, quand il en a trouvé un aussi gros que lui, il a jeté les gants. Mais ça s'est fait tellement rapidement.